Allez, c'est parti pour toutes ces voitures avec, donc on le rappelle, pole position pour le Belge Denis Dupont devant Gianmarco Ercoli. Il y a quand même 3 Belges dans les 6 premiers, hein, Didier. 3 Belges dans les 6 premiers, ils sont encore bien représentés. Et 2 Italiens, je crois. 2 Italiens, effectivement. Et le Français en 3e ligne. Et voilà, Thomas Ferrando, 6e, juste derrière Stiennes Longin. Voilà, les tours de chauffe, et ensuite 75 tours de folie. On espère avec pas trop d'interruptions, pas trop de drapeaux jaunes. Alors, monsieur Météo, quel va être le temps? Parce que Didier, tu as des talents cachés toi aussi. Écoute, tout à l'heure, j'avais annoncé le retour du soleil, ça revient maintenant. Comme disaient certains chanteurs, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Oui, ben là, ça va être fait de grosses averses, hein, j'imagine. Grosse averse. Mais écoute, ça peut pimenter la course. Hein. Ah, ça, c'est mais, sûr. Ce serait mieux de le faire sous le soleil. Alors, s'il pleut pendant la course, ça serait une grande première également, parce que ça serait une course qui serait élancée sur sec et qui se finirait sur pluie. Question, est-ce qu'ils peuvent changer de pneumatique en cours de course? Oui, c'est mieux, c'est pour la sécurité. Ils vont changer de pneu s'il pleut trop violemment. S'il pleut un tout petit peu et que la piste est simplement humide, eh bien, ils vont tenter le pari de rester en pneu slick. Ces pneus Michelin sont toujours bien adhérents. Enfin, quand c'est en pneu slick sous la pluie, on ne peut pas faire de miracle non plus. Voilà, donc j'espère que nos commentaires ne sont pas trop couverts par le bruit de cette vingtaine de V8. Non, d'ailleurs, faut les faire taire, hein, les voitures, je parle. Non, bien sûr. Amir El Hadj, justement, qui est là et qui soutient. On a toute l'équipe, hein, qui est présente. Et juste à côté, tu en parlais, c'est ses pilotes. Voilà, mais je voudrais parler de la voiture, le Safety Car, qui est une superbe New Beetle. Proposé par notre concessionnaire Volkswagen. La passagère, alors que Denis Dupont est en tête devant Gianmarco Ercoli. Première saison pour les deux hommes qui sont en tête du championnat, en tête de la course, pardon. Denis Dupont et Gianmarco Ercoli pour leur première saison en NASCAR Euro Series. Tout comme.